est bien. Donc, vous avez vu au début, vous avez vu dans le titre, on est actuellement à Kinshasa. Donc, je suis avec ma mère. Voilà. Donc, on est toutes les deux. On est parti à Kin et tout. Je vais vous filmer tout ça. Et voilà quoi. Tout ce qu'on va faire, toutes les activités. Comme ça, vous aussi, après, vous aurez envie de venir. De ce stade de la Clé qui a été longtemps un stade important pour la sélection ivoirienne, notamment à l'époque de Marc Dumotte. Je sais qu'il aimait bien. Milieu, tel à la cimetière, tel à la fin de la cimetière. Aujourd'hui, le programme est très très long. On a beaucoup de choses à faire pour voir la famille. Il faut aller chercher des chiens, je vous expliquerai pourquoi. Et aussi, ensuite on ira manger. Du coup, c'est parti! Thank you.
le programme d'aujourd'hui, c'est... On va aller voir notre maison en construction. Si j'ai oublié quelque chose, dans tous les cas, vous verrez. Voilà. Là, on va acheter de la nourriture pour les chiens. J'espère qu'on va trouver. Hein. C'est quelle nourriture, tu sais ou pas? Non? Ah si, assez. Ah, regarde là déjà. On cherche pour les chats aussi. Mais c'est mieux des croquettes parce que là, c'est plus des pâtés. Croquettes, c'est mieux. On n'a pas trouvé notre bonheur. Il n'y en avait pas. Regardez le chat. Voilà, ça. Ça va, chouchou? Ça va, Mini? C'est ça ton nouveau prénom, Mini? Mini, fais attention, hein. Oh, Mini. Elle dort. Regardez les chiens. C'est Chita et Diamond. Ouais. Diamond. J'ai donné des prénoms à tout le monde. Regarde. Avec les deux. Chita et Diamond. Bienvenue dans la famille. Chita et Diamond. Des frères et sœurs. Chita et Diamond. Les deux noms. Chita. Mais papa a voulu bien la Chita et Diamond. Moi je vais les appeler comme ça. Si vous voulez leur donner d'autres noms, trouvez. C'est ça. Regardez la construction de la maison. J'avance vite quand même. Hein. Regardez. Vous pouvez quand même imaginer. Bon, ne me demandez pas quoi sera où, mais ça avance. Je vais vous montrer un peu de loin. Regardez. Grand comme ça, là. Ça va être un bâtiment. Plusieurs étages, plusieurs maisons. Voilà, ce n'est pas une maison. Depuis, je dis maison, mais ça va être un bâtiment, quoi. Des appartements, tout ça. Regardez, il y a aussi l'espace ici. On m'a dit de passer par là. Il y a quoi ici? Oh! Je ne sais pas ce qu'on va faire là. C'est grand. Hein, c'est grand. Hey, ici, on blague pas. Hein. La prochaine fois que je vais revenir, tout sera fait, vous inquiétez pas. Ah, ici, il y aura des appartements. Et là, c'est la ferme. Regardez, c'est grand comme ça. On va voir Max là, le chien là, il a l'air méchant. Et Max. Max, t'es grand. Hein. T'es pas... Ouais, il est pas comme Diamond et Titaï. Ça sent. Hey, ils sont énervés ou quoi? C'est des porcs ou c'est des chiens? Ils sautent. Et j'ai jamais vu ça. Ça saute. Eh, hey, moi je suis partie, je pouvais pas. Regardez lui là-bas là, comment il est debout. Ah, il a faim. Non. Eh, ils ont trop faim. En fait, ils se lèvent comme ça parce qu'ils savent qu'on, quand on vient, on ramène la nourriture. Du coup là, ils se disent, ah, super, on va manger. Sauf que hey, moi j'ai rien pour eux là. C'est pas moi qui donne.
elle pleure. Au revoir, Mini. Oh, elle veut rester avec moi. Oh, Mini. Regardez, c'est les bouchons. Oh là là. Tout ça. Regardez comment il pleut. Oh là là. C'est pas des lol ici. Hein. Quand il pleut, c'est des grosses gouttes. Hein. Oh là là. Coucou. Alors aujourd'hui, le déroulement de la journée est plutôt structuré. On va acheter de la nourriture pour les animaux parce qu'on n'a pas trouvé pour les chiens et les chats. On va aussi acheter les maillots parce que c'est actuellement la CAN et demain c'est la demi-finale entre Congo et Côte d'Ivoire. Donc vraiment le match, genre the match attendu. Du coup, on va aller acheter des maillots et tout parce que demain, du coup, on ira regarder le match. Et quoi d'autre? On ira manger à King Plaza. J'étais déjà partie avant, c'est trop bon là-bas. Je vous explique même pas comment on a galéré à avoir les maillots. Je vous expliquerai quand on rentrera là. Regardez, on a acheté des maillots. Il y a des maillots avec les shorts. Il y en a sans shorts. Coupés comme ils disent ici, hein, avec des coupés. Ah là là, ma mère elle va vous expliquer comment elle a négocié les prix parce que ici... Hein, quand ils savent que tu viens d'Europe, je sais pas où, ils augmentent tellement. Alors, il y a deux sortes de maillots. Ça, c'est original. Parce qu'il y a les deux étoiles jaunes. Vous voyez, deux étoiles jaunes ici et puis ici. Alors, surtout, ne prenez pas avec des étoiles parce qu'il y a plein des étoiles noires, rouges, oranges. Bleues, si on a bleu, vu. C'est pas la peine. Ça, c'est le vrai que le supporter porte. Ils ont commencé à combien? À 40 dollars. Je les ai dit non, jamais vous l'aurez 40 dollars. Ok, madame. Ils ont commencé à parler. Moi, j'ai dit non, non, 40 dollars, non. Et après, j'ai demandé, et ça, c'est combien? Enfin, c'est 40 dollars les deux. Hein. Avec les sortes. J'ai demandé, ça, c'est combien? Ils m'ont dit aussi 40 dollars. J'ai dit, alors là, jamais. Ça, il n'y a même pas des shorts et 40 dollars et celui-là aussi 40 dollars. Ça ne vaut pas, fallait baisser le prix du bleu parce que ça, le short manque. Mais non, ils ont dit non, 40 dollars parce que ça c'est très demandé, le match c'est demain, si jamais on gagne, il n'y aura plus de maillot, donc il faut prendre maintenant. Oh là là. Je les ai dit, ah, non, 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 je les ai dit, ça je le prends à 20 dollars. Et ça, je prends à 35, ils ont dit. Non, non. Moi, j'ai dit, ben, laissez tomber, je vais aller ailleurs. Oh, madame, on peut discuter, on peut discuter. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, ça, ils l'ont dit à 30 et ils ont dit, ils te le baissent de 2 dollars. Ils m'ont dit, bon, j'ai dit, non, jamais, pas les 2 dollars. Moi, je vous donne 20 et ça, je vous donne 30 à 35. Et après, je les ai dit, et je vais ajouter encore, hein. Je vais ajouter encore parce que j'ai encore des enfants là-bas. Hein. Ouais. Et on a négocié. J'ai descendu, j'ai dit, bon, les deux là, ça c'est 50. Et ça c'est à 35. Donc, je vous donne 50, il m'a dit. Ah non, 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 donnez-nous 55 dollars. J'ai dit non. J'ai dit non, jusqu'à la fin, ils ont dit, bon. Prenez madame. Ouais. Oui. Donc, on a pris tout ça. Tout ça, ça nous a fait 75. Ouais. 75 dollars. Voilà, on est arrivé dans le royaume pour les animaux. Plein de croquettes. Il y a tout. Maintenant, il faut trouver ceux spécialement pour les bébés. Regardez, là, il y a écrit adulte et tout. Après, avant, les adultes. Avant, il y a moins des adultes. Ça, c'est pour les. Ouais. Voilà, moi. Ok. On a trouvé les croquettes pour Mini. Aussi du pâté. C'est grand, il y a de tout ici. Hein. Il leur faut une petite coupe aussi, des petits coiffeurs. Trop chou. Et là, j'ai envie de tout acheter pour les chiens et tout, même des trucs bêtes pour les chats. J'ai envie de tout acheter. Regardez, ils ont plein de snacks. Des trucs avec des snacks saumon, tout. Et là, on va leur acheter une petite gamelle pour boire de l'eau et pour manger. Tout ça pour les chiens. Les chiens, ça... Et les chats, ça coûte cher. Hein.
60. Et on a dépassé la barre des 100. On a dépassé la barre des 100. Ça, c'est... Ouais. Ah ouais? 163 $. Elle a mal. c'est pour Mini, c'est pour Chita et c'est pour Diamond. Et c'est pour Max. Les chiens, là, les deux chiens, on avait dit c'est avec. Tout ça. T'as vu les chiens quand t'entends les types arriver. Oui. Serpents, ils sont tous non venimeux, mais hey, c'est impressionnant. Hein. Regardez lui. Il est prêt à nous manger là. Oh là là. C'est grand ici. Hein. Ah ouais, il y en a pas mal. Même des tout petits. À manger dans la chambre de l'hôtel. On a commandé des bananes plantains, brochettes, frites, poulet, frites, les sauces. Là, il y en a encore. Tout ça, on va bien manger. Là, ils ont une mini salade de choux. On va bien manger. Aujourd'hui, c'est chaud. J'ai sorti le maillot. Pour le match, j'espère qu'on va gagner parce que sinon c'est trop la honte. Et voilà, là on bouge enfin. Et il est genre, il va être 20h dans quelques minutes. Le chauffeur il a trop de temps, on sait pas où il est. On va peut-être prendre un taxi express parce que on perd grave du temps. Le match commence à 21h quand même. Un petit peu sur ce petit raté qui aurait pu coûter cher.
On va monter dans ça pour aller dans la chambre. Moi, quelques personnes. Encore la voiture pour arriver à la chambre. On est bien gâtés, c'est vraiment bien organisé. C'est chic. Hein. La direction le restaurant. C'est très beau ici, on fera des activités demain.
regardez, on est arrivé des restaurants dans des avions. Vous avez vu ça où? À part au Congo en fait. On est vraiment en hauteur. On a dû monter, changer de véhicule. On est en haut d'une colline. C'est incroyable. On a pris ce véhicule-là pour monter. On était dans un bus au début et après on a dû monter dans ça encore. Là, on va faire la visite. Mmh. J'ai bien filmé. C'est un vrai avion, regardez ici, c'était les pilotes. Hein. Ici, c'était les pilotes. On dirait que c'est un avion qui a cramé après, ils ont fait un nouveau truc. Oh, c'est vraiment... Regardez. À l'aise, la qualité. Hi. À quel moment tu dis que tu vas marcher dans l'avion comme ça? Mmh. Ah ouais. Mini salon quoi. Ah ouais. Regardez, j'avais pas vu ici. Hein. Tout ça. Là, on est monté dans le second avion. Et hey, nightclub. C'est pour faire la fête. C'est grand, hein. Tu te dis pas comme ça, mais la taille d'un avion, c'est ça. Hein. Avec les sièges. Ça, c'est un avion qui comporte que des sièges sur les côtés, hein, pas au milieu. Hein. C'est grand. Je vais sortir de l'autre côté aussi. Ah ouais. On vient nous dire qu'il y en a qui se sont déjà mariés dans les avions. Oui. Oh là là. Si vous voulez vous marier, venez ici. Hein. C'est extraordinaire, hein. Ah ouais, c'est incroyable, hein. Plus de 20 000 dollars pour se marier dans un avion. Ah là là. On va manger là. On va monter dedans. Ça sent déjà la nourriture, hein. Ah, bonjour. Waouh. Qu'est-ce que t'en penses là? C'est génial, c'est magnifique. Ouais. On a des photos, des chaussures, des cuillères. Des... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut commencer par l'extérieur. Ouais, et en partant. Ouais. Ok. Merci. C'est quoi ça? Les émotions, c'est pas grave. Merci. On nous a ramené les amuse-bouche. T'aimes? Et c'est juste l'amuse-bouche. Eh, regardez son cocktail, il est trop beau, mais elle, c'est avec alcool. Moi, c'était sans alcool, c'était rose. Et je l'ai mélangé. C'est tout moche. C'est juste du saumon, maman. C'est bon. Du citron, ouais. Ah ouais. Ça, c'est la gastronomie, hein. C'est un resto gastronomique. Merci. Et l'entrée, il était excellent, c'était très très bon. C'est vraiment un restaurant gastronomique, hein. Petite portion, mais tellement t'as faim, tu manges vite. On a fini ça tellement vite. Oh, c'était très bon, même mon cocktail, je l'ai fini. Je vais me rajouter une boisson. Mais... incroyable. Vraiment habillés comme des... Oui, ils sont habillés comme des hôtesses. Oui. Si vous voulez réserver ici, il faut réserver dans une agence. Oui. Boulevard 24. Ouais, en ville, boulevard 24. Et au 18e arrondissement aussi. Voilà, Limité. Voilà, tu peux réserver. C'est là-bas aussi que tu réserves. Si tu veux dormir aussi ici,
Sinon, après, si tu comptes pas dormir ici, tu peux venir directement et payer ton entrée 10$. Et ensuite, après, tu payes les activités aussi ici, ils prennent la carte. C'est bien. Je mettrai le lien du site en barre d'infos. Voilà. On nous a servi nos plats. Merci. Moi, j'ai fini victoire par KO. Elle, elle a même pas fini. On y va. Merci. Jusqu'à ce qu'ils vont finir. Oh là là. Regardez, on dirait qu'on est à l'aéroport. La nuit, c'est joli aussi. Là, juste l'inconvénient, c'est comme on est arrivé à 4. Nous, on a déjà fini, mais le couple là qui est avec nous, ils n'ont pas fini de manger. Ça veut dire qu'on doit les attendre pour repartir. C'est chiant. Oui. Bon, on retourne dans les lodges. On est arrivé, on va retourner dans le lodge. Oh là là. On reprend notre pont là. Mais ça s'allume le soir. Enfin, on dirait qu'on a presque rien fait, mais la journée était tellement longue. Regardez, on se réveille le matin et notre vue c'est ça. C'est pas incroyable. Il fait bon, hein. Il fait même pas chaud. Du moins pas très chaud, quoi. Il fait juste un peu lourd. Notre maison, elle est tout là-bas. Et du coup, on a dû marcher pour arriver ici. En fait, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Il y a toujours des voitures qui nous attendent. C'était là-bas qu'on était pour le restaurant d'avion. Tout en haut là-bas. Qui sont en semi-liberté, les lions, nous allons commencer par les lions. Mais il y a deux qui viennent de s'évader. Je ne sais pas si nous avons Samson David pour nous sauver face aux lions qui viennent de s'évader. Donc les lions vont nous chasser. Peut-être ça sera moi, soit les chauffeurs ou l'un des vous. Choisissez parmi vous. pas les chauffeurs. Hein. Donc moi aussi, peut-être ils me connaissent. Donc vous, en tout cas, un va rester avec les lions. C'est elle. C'est elle. Hein. Voilà, il y a quatre espèces en semi-liberté, les lions, les rhinocéros, les hippopotames et les crocodiles. Les restes, nous allons les chercher ensemble. Donc nous allons entrer dans la brousse plutôt pour les chercher. Nous commençons par les lions. Aujourd'hui, nous allons vivre les primaires de Simba en live. Nous allons voir les assassins par défaut de Mufasa aujourd'hui même. Voilà. Déjà 10 ans, ça, la femelle a combien d'âge? La femelle a 9 ans. 9 ans. 9 ans. Ah, ouais. Donc voilà. Et de l'autre côté, ce sont ses enfants. Il y a Maman Olive, il y a Jeannette. Attendez. Dites un peu lequel. Oui, donc c'est Maman Olive et Jeannette qui est de l'autre côté. Ah, on les a séparés. Frère de Maman Olive, Jeannette. Okay. Ses parents sont là toujours. Il s'appelle Jukata. Voilà. Celui-là s'appelle Gino.
c'est parmi les papas, qu'on a aidé papa. Gino, il a aussi 10 ans. Les autres, ce sont des enfants. Et les trois ici sont les enfants de celui qu'on a vu en Katobia. Donc, dit les trois, c'est un des troisième qui est là. Ce sont les enfants des femmes de l'autre. Katobia. Celui-ci, c'est première portée. La première portée, ils étaient au nombre de 4. Donc, parmi les 4, il y a un qui est là. Ils ont déjà 4 ans. Les autres, ils ont 3 ans combien de temps? 3 ans et 11 mois. 3 et 11 mois. Ah, c'est chou. C'est le crocodile du Nil, c'est le plus grand, le plus long d'Afrique. Il a un corps massif, un museau long et triangulaire. C'est ça sa caractéristique. Non, à l'eau, ça va monter là. Et aussi Zébrel, c'est comme femelle. Zébrel, tu Zébrel, c'est comme l'adolescence. Ils sont magnifiques ces animaux. Et surtout quand ils marchent avec l'élégance. Et ils sont aussi magiques à cause seulement des rayures noires et blanches. Les assassins par défaut de Mufasa. Vous avez promis, nous allons voir, nous allons vivre, revivre les films du roi Lion Simba live. Donc voici les éléments. Donc mâle et femelle, ils ont des cornes. Mais la différence, seulement de la couleur de la peau, mais ce n'est pas quand ils sont trop jeunes. Donc... Oui, il a un nom. Voilà, nous en avons 12, ne voyez pas seulement un seul, d'autres sont allés chercher à manger. Et parmi les 12, il y a 5 mâles et 7 femelles. On a fini le safari. Je ne sais même pas si j'ai filmé quand on est rentré, mais là, on va organiser l'anniversaire de ma grand-mère. Elle s'accompagne avec moi. Elle fait 70 ans et elle voulait même pas les fêter. Elle voulait pas, mais on va le faire. Thank you.
l'avancement. Vous voyez, c'était pas comme ça quand on était venu la dernière fois. Ils sont en train de travailler. Voilà, et je suis venue revoir mes chiens aussi. Hein. Kita et Diamond, ils ont changé de nom, maintenant c'est Bab et Shakira. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre, genre là, on est... quel jour? On est mercredi. La première semaine... Autant la première semaine, elle est passée super lentement. Et j'avais l'impression que ça faisait 10 ans que j'étais déjà là. Mais là, cette semaine, elle passe super vite. On est déjà mercredi. Après, jeudi, vendredi et samedi, je prends mon avion, en fait. Je rentre en France. Il ne nous reste pas grand-chose à faire. Là, on va retourner voir les cochons. Je ne sais pas si c'est intéressant de filmer. Parce que bon, vous avez déjà vu les cochons vite fait. Et bon, c'est pas trop intéressant des cochons, quoi. Il va nous rester 2 jours. On va essayer de faire des trucs un peu sympas. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est passé super vite. Oui. Comment tu m'as Oui. Ça, ce sont des prophètes, ils sont promis des petites filles. Ça fait ça, à Mingala, ça m'en va à Francis Bois. Ça va le jour, à part un fruit, ça peut être bon. On va revenir, on peut dire que ça a une petite prison. Donc, c'est une petite Je vais prendre des bracelets. Ah, mais ça, on l'a, nous. Oh, on a pas ça, 25. Prendre des bracelets en souvenir. Beaucoup de choses. Je l'avais vu sur TikTok. Elle voulait pas venir. Hein. Maintenant, elle va bien manger. Elle sera bien contente. C'est le grand départ. Hier, j'ai rien fait d'intéressant. Je suis restée, j'ai tellement dormi.
Là, c'est le grand départ, je dois boucler ma deuxième valise. La luminosité, elle est pas très bonne ici. Hein. Mais bon.